You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should've told you that you're beautiful, but the days pass and now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. Dimanche aujourd'hui, un dimanche où on va un tout petit peu mieux. Moi ça va à peu près, c'est voilà. Greg est encore un petit peu barbouillé, alors c'est vraiment bizarre ce qu'on a eu, je sais pas ce qu'on a eu. On a l'impression d'avoir mangé quelque chose qu'il fallait pas, parce que on est juste nauséeux et comme si qu'il y avait quelque chose qu'on digérait pas bien. C'est bizarre. Alors est-ce que c'est un petit air de gastro, j'en sais rien, mais voilà. En plus ça passe relativement vite, quoi. Moi souvent quand j'ai une gastro je suis clouée au lit pendant quelques jours, souvent je les fais carabiner. Greg lui il passe toujours à travers la gastro. Là je sais pas, après oui peut-être que, mais ce qui est bizarre c'est que si on aurait mangé quelque chose qu'il fallait pas, comme on mange tous la même chose, Stacy aurait été malade et Angel aussi aurait été malade, ce qui a pas été le cas. Donc oui, peut-être un petit virus là qui passe en ce moment. Bref, donc du coup aujourd'hui on va encore rester un petit peu tranquille à la maison. Bah, Greg est quand même parti au potager parce qu'on a encore une belle journée aujourd'hui et qu'il veut avancer, il veut finir de retourner au niveau du potager pour pouvoir commencer les plantations sûrement la semaine prochaine. Un petit peu à la fois, je pense qu'il va commencer par les petits pois. Et moi là je suis coincée sur le canapé avec un toutou qui s'est installé. Mais bon, je vais le bouger un petit peu, je vais me lever, je vais aller faire la mousse au chocolat du coup que j'ai pas fait hier, c'est un des desserts de la semaine, et puis je vais aller lancer mon poulet. C'est Greg qui a préparé le poulet le matin, ça fonctionne bien ce matin, ça fonctionne bien le poulet rôti du dimanche, ça va vite, et puis on aime bien, et quand il y a des restes on met ça le soir dans le sandwich, dans l'américain, ou je le mets au congélateur, on décortique, on le met au congélateur et puis je m'en sers pour faire un autre repas avec. En fait, je mets de côté les restes de poulet pour avoir assez en quantité pour nous quatre, quoi, en fait. Et ensuite, ben, je fais soit des vols au vent ou soit je m'en sers, comme là, je vais m'en servir pour faire de la soupe demain, une soupe poulet riz. Allez, on va se lever, faire sa mousse au chocolat. Je viens de répondre à vos commentaires. J'ai regardé si la vidéo était bien mise en ligne et tout. Donc, allez. Et puis, je vais enfourner mon poulet, puisque là, mon four doit être chaud. Je viens de lancer aussi, j'attendais justement, c'est pour ça que je m'étais posée sur le canapé pour répondre à vos commentaires. Souvent, le dimanche, je lance l'aspirateur pour donner un petit coup sur les sols. Enfin, l'aspirateur en fonction laveur, quoi, en fait. Alors, je l'utilise très rarement, parce que, comme je vous ai dit, c'est bien pour juste donner un tout petit coup de propre. Comme là, le week-end, c'est souvent lui que je lance au lieu du Tineco. Mais si vous avez des taches ou quoi, ou s'il y a des choses qui ont été renversées, ça ne les enlève pas forcément. Mais les petites traces de pâte de Marley, enfin, les grosses traces de pâte de Marley, avec ses grosses patounes, ça les enlève. Donc, voilà. Comme là, voilà, la maison paraît un petit semblant de propre, un petit coup de fraîcheur, et ça me va. Pour un minimum de travail. Je te gêne peut-être. Hein? Il me pousse. On va dire non, mais tu te lèves pas. Si, 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 je vais aller me lever. On est bien là. Hein? On est bien. Allez, on y va. Alors, je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense qu'on verra l'état de Greg, s'il est encore très très barbouillé ou si ça va. Peut-être qu'on travaillera un petit peu sur l'extérieur de la maison, donner un petit coup, enfin voilà, commencer à le préparer pour le printemps qui arrive un petit peu à la fois. Allez, on se lève. Marley m'a laissé tomber. Je vais pas voir.
me lever et aller faire ma mousse. Bon, allez, on va y aller pour la mousse au chocolat. Au cas où vous vous posez la question, ce matin, le petit déjeuner, c'était des pancakes au flan cornavoine. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. En fait, j'essaie de me refaire des petits déjeuners parce que... Alors, j'ai pas revu ma psy parce que j'ai fini avec ma thérapie. Le chemin s'est fait et j'ai... Enfin, je... Pour l'instant... Alors, avec ma diète, on en a discuté parce que ma psy est partie, de là où j'étais suivie, en fait. Donc, je pouvais continuer une thérapie si j'en avais besoin, si je ressentais le besoin. Elle m'avait dit que pour elle, c'était bon, que j'avais fait mon cheminement et que tout allait se poser au fur et à mesure, qu'il fallait que je me fasse confiance. Mais si j'en ai besoin, il y a quelqu'un qui l'a remplacée. Donc, je pourrais aller la voir. Donc, j'ai revu ma diète. C'est vrai que je vous en ai pas parlé parce que je sentais là que j'étais un petit peu perdue dans tout ça, quoi, en fait. Donc j'en ai discuté avec elle. Elle pense pas que j'ai besoin de revoir ma thérapie, mais peut-être de relavoir elle quelques... Voilà. Juste, ou au moins par téléphone. Ou par visio, quoi, en fait. En fait, je me sentais un petit peu... noyé. Alors comment vous expliquer? Alors je vais vous dire ce que je lui ai dit. J'ai l'impression qu'on a ouvert les portes sur des interdits, quoi, en fait, hein, que je m'étais mis, des barrières que je m'étais mis. Donc on a tout ouvert et je me sentais noyée dans un flux de choses. Et du coup, le fait de plus avoir ces barrières, J'étais perdue, j'avais perdu ce cadre que je m'imposais qui était vraiment trop restrictif, trop. Et du coup, je ne pensais plus à ce que mon corps me dictait, me disait. Et je faisais plus trop attention à ce que j'avais besoin réellement, quoi, en fait. Donc là, on est en train de revoir un petit peu ça. Alors... Je ne fais pas... Je veux pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Je ne me remets pas de barrière, je ne me remets pas de... Voilà, hein. C'est plus du tout mon cas. C'est juste réapprendre à m'écouter. Voilà. À écouter ce que j'ai besoin. En fait, ce qu'il y a, c'est que là, le matin... Je me disais, t'as pas le temps de te préparer ton petit déjeuner, tu manges ce que t'as, de toute façon, t'as plus d'interdit, donc mange ce que t'as. Donc j'ouvrais, je regardais ce que j'avais, et puis je me disais, oh bah je vais prendre ça vite fait, voilà, et puis je mange vite fait. Mais en fait, ça me correspond, enfin, je suis pas bien en fait après. C'est vraiment par rapport à mon corps. Par exemple, je vais manger un morceau de brioche. En soi, c'est pas, voilà, hein, c'est pas grave. Je vais manger de la brioche. Je peux la manger, hein, y a aucun souci là-dessus. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que je sais très bien qu'une heure après, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que j'ai l'impression que ça, je le digère pas bien. Je suis pas bien parce que j'ai l'impression que ça me donne un coup de pompe plutôt que de me faire du bien. C'est pas ce que j'ai besoin à ce moment-là, au matin même. Mais je le prenais parce que c'était plus interdit et parce que j'avais pas le temps, je prenais pas le temps de me préparer un déjeuner. Donc là voilà, on est en train de revoir tout ça, quoi, en fait, avec elle. Comme elle dit, c'est juste deux trois petits, faut que j'apprenne à m'écouter, quoi, en fait, et à écouter mon corps, quoi, en fait. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire, et je reprends le temps de me refaire des vrais petits déjeuners parce que pour moi c'est important, c'est ce qui me fait bien passer ma matinée, quoi, en fait. Quand je mange de la brioche le matin, ou quand je mange des... Alors, c'était souvent de la brioche, en fait, hein, que je prenais, ou quand il restait du gâteau, ben, je prenais un morceau de gâteau. Et en fait, ça, c'est sûr qu'une heure après, au niveau de la digestion, en fait, j'ai faim sur le coup de 11h, j'ai une barre, et je me sens toute mollassonne, je me sens pas bien, quoi, en fait, avec ça. Ce qui me convient le mieux le matin... C'est les flocons d'avoine, en fait. J'ai pas ce coup de pompe après. Et j'ai pas ce besoin de remanger à 11h, quoi, en fait. Bref, donc voilà, je me refais des petits déjeuners. Oui, donc je vous en ai pas parlé parce que je ne veux pas que ça revienne une de mes préoccupations. Comme je vous ai dit, je n'ai plus de barrière, je n'ai pas d'interdit, et je ne veux plus que ça revienne comme ça. Je vais juste m'écouter un peu plus et écouter ce que mon corps me... Voilà, ce que mon corps a besoin, quoi, en fait. Voilà.
Donc je refais des petits déjeuners. Si ça vous dit, j'essaierai de vous partager 2-3 recettes comme ça le matin. C'est comme la farine, hein. Le pain, c'est la même chose. Le pain blanc, j'ai remarqué que quand je le mange le matin, quand je mange le soir, il n'y a pas de souci, mais quand je le mange le matin, et ben c'est sûr que voilà, je suis pas bien après. Ça me convient. En fait, voilà, c'est ce que je suis en train de faire, c'est essayer de trouver l'alimentation qui convient à mon corps, quoi, en fait. Voilà. Je sais pas si vous comprenez, mais là, j'étais vraiment... j'avais besoin de pas de remettre un cadre, parce que c'est pas du tout ça, mais j'avais besoin de me recentrer sur moi, quoi, en fait, et sur mes besoins. Bref, on va faire la mousse au chocolat. On y va. En fait, c'est tout un cheminement, hein. Quand on sort comme ça de TCA, je sais pas, enfin, je suis sortie, même si je sais que j'ai toujours l'épée. En fait, on n'est jamais complètement guéri, je pense, d'un TCA. On a toujours ce petit démon, en fait, sur l'épaule, hein, sur qui nous dit la petite voix là qui nous dit. On est jamais complètement guéri, mais on apprend à le... Vas-y toi, tais-toi. mais c'est compliqué. C'est compliqué, et en fait, il suffit d'un léger débordement pour lui relaisser trop de place, quoi, en fait. Et voilà, et c'est... Voilà, c'est dur. Il faut un bon suivi, il faut... Je sais même plus pourquoi je vous disais ça, mais voilà. Je sais que c'est compliqué, le cheminement est long. Comme je vous ai dit, voilà, on n'est jamais complètement guéri. Et le travail se fait un petit peu à la fois, un petit peu à la fois, un petit peu à la fois. Mais il faut toujours faire attention, quoi, en fait. Toujours, toujours, toujours. Toujours apprendre à lui. Tais-toi. Et le truc, surtout, c'est d'être bien entouré, en fait, de personnes... voilà. Bienveillante et bien entourée autour de vous, et bien choisir sa psy et sa diète, parce que non, une diète n'est pas forcément, vous suivez pas forcément une diététicienne pour perdre du poids et pour être en restriction, voilà. Et en fait, on leur met souvent la mauvaise image, quoi, en fait, mais non. Allez. Alors, moi, ma recette, je fais toujours, c'est la recette du coup comics, mousse au chocolat. Le seul truc, c'est que je la fais pas au Thermomix, en fait, ou à MCC. Je fais, alors, c'est la mousse au chocolat toute simple, en fait, hein, celle-là, mais je la fais directement voilà, je le fais avec le Kitchen, quoi, en fait. Parce qu'il faut monter les blancs en neige. Je préfère monter les blancs en neige avec le Kitchen. Et puis après, c'est de la fonte, c'est du chocolat. Enfin, je préfère le faire à la... En fait, c'est ma fainéantise qui parle. Je préfère laver un saladier que laver le bol du MCC. Ah, il y a de la pub. Voilà. Allez, on y va. En fait, par contre, il faut pas mal d'œufs dedans. Il faut 7 œufs. Alors moi, je vais diviser la recette par 2. Parce que, autrement, ça en fait trop. C'est Angel, pratiquement, qui mange que la mousse au chocolat. Stacy n'aime pas ça. Greg, c'est pas non plus... Enfin, il en mange, hein. Quoique souvent, il n'y a pas le temps d'en manger, parce que Greg et Angel a tout mangé. Mais il en mange, mais une ou deux, quoi, en fait. Et moi, c'est rare que j'en mange. Parce que la mousse au chocolat, je trouve ça un peu trop sucré en bouche, en fait. Et souvent, je ne suis pas bien après quand j'en mange. Je préfère manger un carré de chocolat. Je préfère manger du chocolat comme ça que la mousse au chocolat. Hop, hop, hop. En fait, c'est trop écœurant pour moi, je trouve. C'est vraiment une question de goût, hein. Pourtant, j'aime le chocolat. Allez, donc du coup, je divise la recette par 2. Il faut 7 œufs dans la recette, et dont 3 jaunes. Mais moi, à chaque fois, je mets mes blancs de côté quand j'en ai. Donc du coup, ça m'évite d'utiliser 7 œufs pour que 3 jaunes, en fait. Dès que j'ai un blanc, je mets au congélateur, souvent. Et je note sur le petit pot combien j'en ai. Alors, il faut savoir qu'un blanc, c'est à peu près 35 grammes. Donc, du coup, il suffit de peser après, si vous avez oublié de noter. Vous pesez le pot. Là, vous voyez, j'ai 70. Donc, ça me fait 2 blancs.
Donc au cas où, voilà, une petite astuce. Donc là, je vais peut-être quand même faire, faut que j'aille voir si j'ai 300 g de chocolat, mais j'étais en train de me dire, je vais peut-être faire quand même toute la recette du coup. J'avais assez de chocolat, j'ai fait mes fonds de placard. Vous voyez les recettes où on nous demande 150 g de chocolat et que vous restez 50 g de chocolat. Donc j'avais assez, j'ai juste fait chocolat lait parce que j'avais pas de chocolat noir. Enfin il y avait un petit morceau de chocolat noir, donc ça sera chocolat noir, chocolat lait. Et les blancs, j'en avais encore deux autres au congélateur, je les ai sortis. Alors faites attention quand vous décongelez au micro-ondes. Parce que ça cuit. Hein. Moi, je le mets dans de l'eau chaude et j'attends un petit peu. Je viens la fourchette en fait écraser pour qu'il fonde plus vite. Alors là, je suis en train de faire fondre mon chocolat au bain-marie, enfin pas au bain-marie, mais au micro-ondes. Voilà. Et là, c'est pareil. Faites attention aussi quand vous faites fondre du chocolat au micro-ondes parce que ça fond. En fait, le micro-ondes fait chauffer de l'intérieur et du coup il y a des moments ça brûle. Je parle de connaissance de cause parce que j'ai déjà brûlé du chocolat au micro-ondes. En fait il faut vraiment mettre un petit peu, laisser fondre, mélanger, remettre un petit peu parce qu'autrement ouais, vous allez avoir un morceau de chocolat cramé au milieu et après c'est dégoûtant. On y va. Comme quoi ça m'arrive à moi aussi hein, de faire des bêtises. Souvent on me dit mais Sandra t'arrives à faire tout et tout. Mais non, il y a eu des bêtises avant. Il y en a eu des bêtises avant. Il y a de l'entraînement. C'est en faisant, c'est ce que je dis souvent à mes enfants. C'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Allez, on y va. Donc comme je vous ai dit, je fais exactement la même recette du MCC. Le seul truc c'est que je fais tout à l'ancienne quoi en fait. C'est pour ça que je vous dis les recettes du Cucumis, vous pouvez très bien les adapter sans le MCC ou sans le Thermomix ou quoi. Là les 7 blancs, je vais les monter en neige avec une pincée de sel. On pourrait même le faire avec un fouet électrique ou à la main si vous souhaitez avoir des gros biscottos. Ensuite ils nous disent de faire fondre le chocolat, d'ajouter 150 g de crème fraîche liquide, de mélanger ensemble, d'ajouter les 3 jaunes, 50 g de sucre, et puis ensuite on vient mélanger avec les blancs quoi en fait. Donc je vous dis c'est vraiment, c'est faisable sans le MCC quoi en fait. Bon allez, je vous épargne le bruit du robot, je vais monter mes blancs en neige. Ah, ça y est, les mousses au chocolat sont faites, je les ai mis au frigo, je les ai mis dans les petits pots comme ça. Donc dessert de la semaine fait, le poulet je l'ai retourné pour faire griller de l'autre côté. J'ai fait la petite salade pour ce midi avec une petite vinaigrette. J'étais en communication avec Kim et puis elle demandait comment ça allait. Je lui dis c'est toi qui nous l'a refilé, j'ai ton père il est malade aussi maintenant. Non mais c'est vraiment bizarre ce qu'on a chopé. Greg était au potager, ça y est, il reste un tout petit peu du potager à retourner et il y aura fini. Donc s'il arrive à aller une fois cette semaine, ça sera fini. Ouais. Et il dit que ça va. Hein? T'as plus trop mal à ton bidou? Non, pour l'instant. Pour l'instant, jusqu'à ce que tu manges. Ouais, moi voilà. Par contre, ouais, c'était... Le film hier, c'est vrai que je suis pas revenue dessus, il était bien. Hein, il était bien. Ouais. À voir une fois au moins. Voilà. Ouais, c'est bien pour un dimanche. Ouais, c'est bien pour I Love America. Au cas où vous posez la question. Sur Netflix, sur Amazon Prime. Tu vas nous mettre quoi, chérie? Je sais pas. Ouf. Dr House, tiens. Oh, Dr House? Oui, il y a les... Oh, mais on les a déjà vus. Ah, ouais, ça, c'est bien, c'est beau film. Ouais. Ah, tu ne tueras point, ça, c'est bien. Ah, oui, non, mais c'est des vieux films. Ouais, mais j'aime bien. Ah, Creed. Ouais. Il veut revoir, toujours revoir, ah, revoir, c'est bien, revoir. C'est pas un vieux, c'est 2018. Oh non. Tu l'entends trop dans les autres. Ouais, c'est avec qui, lui? C'est Queen. Les Queen. L'histoire des Queen. Et puis, il arrête pas de l'écouter en plus, donc. Ça j'ai lu. J'ai même pas vu la fin de ça, tiens. J'ai même pas vu ce qu'il gagnait. Next, j'ai vu. Non, mais après, il y avait. Bah, on a la série aussi qu'on a commencé là, qu'il faut qu'on finisse. Ah ouais, avec les strip-teasers.
Bon, c'est dégoûtant, hein, parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les strip-teasers, ils vont jamais comme les femmes, en fait. Les femmes, elles se retrouvent toujours à poil, quoi, en fait. Eux, ils gardent leur slip. Bon, je sais pas, j'ai jamais eu une strip-teaseuse devant moi, donc... Alors moi, c'est le genre de truc que j'aime pas. Je, pour certains enterrements de jeunes filles, quand on était plus jeunes, on allait... dans le Nord, il y a un truc qui s'appelle le bonheur des dames sur l'île. Et on a fait quelques enterrements de vie de jeunes filles là-bas. Je me sentais à chaque fois très très mal à l'aise, en fait. Le fait de... Je sais pas, on a l'impression que la personne, c'est un objet, quoi, en fait. Et il y a des moments, je me sentais mal à l'aise, et la réaction des femmes me... Voilà. Mais c'est tout à fait ça. Et du coup, j'étais pas bien là-dedans, quoi, en fait. Et à chaque fois qu'il y en avait un, à chaque fois qu'on me disait qu'on allait là, j'aimais pas. Et puis, ils viennent, ils vous lèchent, enfin, c'est le visage, hein. Mais ouais, ils font le show, mais je suis pas bien là, enfin, je me sentais pas bien, pas à l'aise, comme si j'étais pas dans mon truc. Et puis, alors à ce moment-là, on avait quoi, une vingtaine d'années, hein, donc voilà, on était 20, 25 ans, quoi, en fait, on était jeunes. Mais il y a des moments quand on entendait des femmes hystériques, comme ça, et puis on se retournait, et bien c'était des personnes d'un âge, voilà, peut-être de mon âge actuel, quoi, en fait, d'une quarantaine d'années, voire même plus, il y a des moments, quoi, en fait, et j'étais encore plus mal à l'aise, parce que on va dire qu'une jeune fille qui se sent hystérique devant un homme qui se déshabille un petit peu, mais 40 ans, on a un vécu, quoi. On en a déjà vu des hommes tout nus. Donc, ouais, mais c'est vrai que j'étais jamais très à l'aise dans ce... Comment on dit ? Dans cette façon de devenir un objet... Tu vois, et je sais pas, enfin, je suppose que les femmes, ouais, ça devient un objet, quoi, en fait. Il n'y a plus la personne, c'est vraiment l'objet, le truc... Bah, l'objet sexuel, quoi, en fait. Et là, j'étais pas... Voilà, pas à l'aise là-dedans de... Bon, eux, ils avaient l'air d'être à l'aise, hein, je pense. Mais ouais, c'était pas vraiment... C'est pas trop mon truc, quoi, en fait. Bon, après, chacun... voilà, hein, je dis rien sur les personnes qui aiment ça, hein. C'est vrai que... Après, l'ambiance et tout, c'est vraiment ce côté... Le spectacle était joli, il dansait très bien et tout, mais c'était le côté... En fait, c'était même pas le spectacle qui me dérangeait, c'était pas le fait que les hommes se déshabillent, c'était la réaction de certaines femmes vis-à-vis de ce corps d'homme, en fait. C'était surtout ça, en fait. C'était leur façon, en fait, de considérer l'homme qui se déshabillait comme un objet plutôt que comme une personne. Donc le spectacle était joli, l'ambiance elle était, voilà, mais c'était ce mal-être vis-à-vis de la réaction de certains sur ce corps d'homme qui me mettait mal à l'aise, quoi, en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais autrement, oui, le spectacle était beau, il dansait bien et tout, mais voilà. Bon, allez, on va aller couper son poulet, puis on va, enfin, Greg va nous mettre un truc. Greg va se boire un petit apéro. Moi, je suis encore un petit peu barbouillée. C'est pas juste lui, ça va. Et puis moi, je suis un petit peu barbouillée. Mais je te l'ai dit, il faut vaincre le mal par le mal. Non, moi, je vainc pas le mal par le mal. Je vais me boire un coca, moi. Je vais essayer de gérer ça. Tu peux me servir un coca, chérie ? Mm-hmm. Merci. On a fini de manger ? On va finir notre épisode de... Toy Boy. Hop, je suis en train de lancer le lave-vaisselle. Et... on a rangé la cuisine. On va se reposer un petit peu, puis on va travailler un petit peu en extérieur, je pense. Le temps est un petit peu en train de changer. Il fait comment dehors, chérie ? Il fait bon ou ça va ? Ça va ? Ah, t'as dit il fait bon ? Bon. Allez. Il est déjà installé, lui. Ouais, j'ai mal à mon bras. Ah, zut. En fait, c'est ça qui est pire. C'est qu'on a faim, hein. On a faim, mais une fois qu'on mange, après on est barbouillé. Non, je suis pas barbouillé, j'ai mal à mon bras. Bah, t'as envie de vomir. Non, j'ai mal à mon bras. Bah, t'as tes règles. Si tu veux, ouais. Mal à son ventre. Mais t'as mal où au ventre ? Non, c'est pas possible, ça. Ouais, c'est bizarre. Bizarre, ce truc. Je suis mieux en santé quand je mange pas. T'es mieux quand tu manges pas.
Bon, allez, on va se finir cet épisode. J'ai posé où mon verrier ici. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire quoi que ce soit à l'extérieur. Il y a Angel qui vient de nous appeler. Il était parti au parc avec des amis et on vient de lui piquer son sac. Alors encore pour le sac, les affaires qui sont à l'intérieur, je m'en fous un petit peu, mais il vient de me dire qu'il y avait sa carte d'identité à l'intérieur. Parce que c'est son sac d'école et il avait oublié de la retirer. Parce qu'il en avait eu besoin cette semaine. Alors ça par contre, ça fait un petit peu parce qu'il passe son bac cette année. Donc et avec les délais pour refaire les cartes d'identité, ça va encore être une période de stress. Je vais revivre ce que j'ai vécu avec Kim il y a quelques années, qui avait perdu aussi sa carte d'identité comme ça. Oh là là, Greg est parti voir du coup au cas où, il va faire le tour du parc, il va aller voir, je pense qu'il doit avoir des vigiles ou des agents à l'intérieur, donc il va aller voir si on l'aurait pas retrouvé, si quelqu'un l'aurait pas vu et qui ou que qu'ils auraient balancé sa carte d'identité ou son sac vide comme ça. Oh là là, un week-end qui finit pas bien. Il a commencé pas bien, on était tous malades et en plus il finit pas bien. Ah, oh, j'en ai marre. Je sais même pas comment il a fait pour perdre son sac de vue. Ce que je lui ai dit, je comprends même pas déjà pourquoi tu as pris un sac pour aller. Enfin, il y avait sa gourde, des trucs comme ça dedans. Ça m'énerve. Je suis en colère. Je suis en colère après les gens qui piquent les affaires comme ça qui sont pas à eux. Et je suis en colère sur Angel, quoi, plus ou moins. Parce que voilà, il a été inconscient. Et voilà, je suis en colère pour les gens qui prennent les affaires comme ça et qui foutent les autres personnes dans la merde et que voilà. Moi, j'espère qu'ils vont la retrouver. Ça m'étonnerait. On va refaire une demande. En fait, ce qu'il y a, c'est que les délais sont de plus en plus longs pour les cartes d'identité. Si vous nous suiviez à ce moment-là, ce qui m'arrive, j'avais eu exactement le même coup à un mois, je pense, et pile poil elle l'a eu pour passer son bac quoi, en fait. Donc là Angel on a un petit peu de marge, on va dire. Faites des gosses, on nous a dit faites des gosses, hein. Greg est rentré, bon, plus de sac hein, fallait s'en douter. Il n'y avait plus personne dans la guérite, mais enfin ça s'est pas passé dans le, en fait il y a plusieurs parcs l'un à côté de l'autre et ça s'est pas passé dans le parc central quoi, en fait. Donc du coup voilà, bon bah du coup on va refaire une carte d'identité en espérant qu'on l'attend. Je pense que les premiers examens c'est au mois de mai, donc on a intérêt à se dépêcher à la faire. Et on va les porter plainte du coup demain pour avoir un dépôt de plainte pour pouvoir refaire sa carte d'identité. Bon, après en soi dans le sac il n'y avait rien. Il y avait juste son casque, sa carte d'identité et un chargeur pour son téléphone. C'est tout. Des soucis. Allez, je vais. En fait, c'est pas le fait de la refaire et tout, hein. C'est le fait que ça va être stressant de pas savoir si on l'aura à temps pour son bac, quoi, en fait. C'est plus ça. Oui, bah après, s'il y a un dépôt, je pense qu'on a le droit d'utiliser un autre papier. Mais j'avais demandé à Kim, pour Kim, et on n'avait pas. Mais je pense que c'est parce qu'à Kim, on n'avait rien. Elle avait oublié son sac dans un bus. Je sais pas. On verra. On verra du coup demain avec ce qu'ils diront. Bon, après, peut-être qu'on l'aura à temps. On va pas commencer sans faire, hein, mais bon. Ça fait tch. alors, je voulais faire des frites pour ce soir. Pour faire les Américains comme d'habitude. Mais il reste énormément de pizzas d'hier. Pratiquement une pizza entière. Il reste des boulettes que j'avais fait à la suédoise. Il y a des crudités aussi. Greg n'a pas trop faim parce qu'il a super mal au bidou. Alors lui, contrairement à moi, il vomit. Et il arrive à vomir, lui. Moi, je vais être malade et je vais pas savoir vomir. Mais là, il est pas bien. Hein, chérie? Je vous maudis. Tu me maudis? Toi et ta fille. C'est ta faute, tu m'as collé pendant la nuit. Déjà, j'ai eu du mal hier. Hein. Non, mais avant-hier. Quand j'étais pas bien et que j'avais froid et tout. J'ai froid, calme-moi, chérie. Regarde, voilà, mais tu m'aimes, on partage tout. Ouais, bah ça, tu peux te le garder. T'es sûr, t'es pas gentil.
Non. Quand on s'aime, on partage tout. Oh là là. J'ai coupé pour vous éviter les bruitages. Greg, c'est comme quand il éternue. Hein. Voilà. Il fait toujours beaucoup de bruit. J'espère que ça ira mieux demain. Mais si c'est comme moi, ça devrait aller un peu mieux. Hein. Je suis encore un peu barbouillée, mais moins qu'hier, quoi. Une bonne nuit de sommeil et après ça ira. Bon, du coup, pas de frites pour toi ce soir. Donc oui, voilà. Du coup, je vais pas faire de frites, on va manger les restes. On va manger sur le pouce. Hein? Bon, on remet un petit peu la suite. Ouais. Bon, on va manger. Du coup, soirée reste. Pour moi, des crudités, je me suis pris deux petites boulettes de poulet et je me suis fait réchauffer aussi une part de pizza qui restait d'hier. Voilà. Greg a toujours mal au ventre, il va essayer de manger un petit peu. Voir si ça passe. Et... bon allez, on va manger. Mais je vais vous laisser là du coup. On va vite ensuite faire les routines et tout. Et puis on va aller se coucher, essayer de se réveiller en pleine forme pour attaquer cette nouvelle semaine. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person.